Bon, et normalement, jeudi, nous connaissons un jour spécial, c'est le 22 avril, donc, qui marque la journée internationale de la Terre. Donc, jeudi, là, moi, présent personnellement, et pour nous capables de faire une activité, activité qui s'accueille. Donc, nous connaissons OJH, qui est l'Observatoire de la Jeunesse, lui-même qui encadre et joue ça, qui est un jour spécial, qui est la journée internationale de la Terre. Là. Dans le cadre du projet, que nous capables de dire IFDD, qui est l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, lui-même qui est un organe en dedans. Et OIF, donc qui gagne un projet, projet d'appui pour la participation et l'action de la jeunesse haïtienne pour l'environnement et le développement durable. Donc dans le cadre du projet, ça, il y a plusieurs activités qui sont déjà réalisées. Parmi eux, il y a une formation pour plusieurs jeunes dans la question de renforcement, dans la question de métier de l'environnement. Et nous avons 60 jeunes qui prennent formation dans ça, dans l'Ouest. Nous avons 60 jeunes qui prennent formation dans ça et dans le Nord. Dans fait moi ça et nous gagne 60 jeunes tout dans ville locale qui va prendre formation dans question ça. Donc jodi a là nous même nous vinn faire une activité dans quatre projets ça qui c'est une plantation de mangrove ou encore reboisement de mangrove au niveau de la savane des cailles. Donc activité ça c'est pour nous capable au moins garder qui j'en capable porter participation par nous dans question ODD pour nous capable atteindre ODD qui c'est objectif de développement durable. Donc nous gagne activité ça qu'a réaliser c'est avec financement Union européenne. Nous gagne et ministère de l'environnement, plus précisément direction départementale là, et nous gagnons directeur Jean-Marc Chérizier qui bon nous gros support technique et en termes de matériel qu'on a besoin, en termes de plantules qu'on a besoin capable mettre en terre, et nous gagnons plusieurs autres associations de jeunes au niveau de la savane tout qui réunit pour capable faire activité ça jeudi. Nous choisi Boris là parce que nous connaissons la savane des cailles en dans ville là, c'est une zone qui vraiment à risque, c'est une zone qui trouve tout près la mer et nous connaissons qui gens que la côte nous est très fragile dans la question et catastrophe naturelle. Donc écosystème mangrove là nous connaissons c'est une barrière que lié pour capable protéger non seulement littoral mais protéger terre, protéger environnement. Donc nous décider par rapport avec pression qu'a fait au niveau de la savane côté nous a coupé mangrove là c'est souvent pour construire caille, pour faire charbon, pour capable faire bois de coffrage. Tout ça donc nous décider pour capable venir porter support nous pour capable protéger zone ça et permettre que moun sa tout capable gagner une assurance parce que là que écosystème mangrove là il protéger tout contre catastrophe naturelle. Bon, je dis à là, nous supposons planter des centaines de plantules qui sont déjà disponibles et nous remercier direction départementale, ministère de l'Environnement qui ban nous capacité pour nous capable faire travail ça aujourd'hui à et nous avons plusieurs autres jeunes qui disponibles qui disposés pour capable porter participation par eux dans le cadre travail ça. C'est ça que fait OJH qui c'est l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, nous prioriser surtout une activité inclusive. Ça veut dire une activité qui inclut surtout le monde qui est dans la zone. Ça fait nous après que nous gagnons des associations qui trouver au niveau de la savane. Nous avons des jeunes de la savane qui là. Donc ces mêmes jeunes ça avec capable dit staff ministère de l'environnement direction départementale sud là qui va porter surveillance ça pour capable assurer à ce que plantule ça eux même capable arriver à maturité pour capable prendre responsabilité écologique que eux même yo gagne. Principalement ou du moins c'est en premier lieu nous gagnons des monde qui était pas ensemble avec nous qui applaudit activité ça parce que là nous t'ai venu sur site là t'ai demandé est-ce que nous avons un projet pour boy site là nous t'ai dit ah faut nous capable essayer garder quelqu'un capable sauver zone là protéger zone là yo t'ai dit là vraiment bon même yo même tout yo prêt pour capable porter surveillance par yo sur mangrove là et d'ailleurs yo porter quand même une précision à ce que boy c'est dans la site ça te gagne mangrove déjà mais qui fin détruit qui vraiment nécessité une intervention. D'abord ma présenté moi non pas moi c'est Louis Maxrive. Alors moi c'est un jeune agronome finissant année passée qui étudie à l'université Notre-Dame d'Haïti. Disons moi dans le cadre projet ça c'est juste pour une collaboration à importance que me connaît mangrove laien surtout dans zone littorale. Alors moi-même tout moi c'est représentant OJP organisation des jeunes progressistes étant Chantal et moi là moi accompagné ensemble des jeunes côté moi-même à bien pour une formation et des techniques et nécessaires juste pour faciliter l'exécuter et travail là positivement. Oui, moi encourage c'est juste pour entrer comme citoyen pour entrer dans protéger l'environnement qui concerne nous tous. Et alors si nous pas fait ça, nous est plus tard à plus triste et c'est que ça capable de répercussions sur la vie humaine. Disons moi déjà là et dans le travail que nous respectons toutes les normes et même distance de plantation après observation que nous avons fait sur le terrain. Disons et moi remercie tout chaque monde qui bail collaboration yo, et qui va support c'est kit support matériel et support technique et pour faciliter le travail là effectué sur le terrain. Bon, moi salue tout le monde qui avec nous dans l'espace aujourd'hui à côté que nous gain OJH
qui a fait une activité de plantation. Là, on date qui est vraiment important pour nous-mêmes. C'est une date et capable de dire le monde entier capable de penser à lui-même, qui c'est Journée mondiale de la Terre. OJH pas traité indifférent dans le cadre des activités qui ont été faites, qui a contacté le ministère de l'Environnement, direction départementale sud, puis était capable d'effectuer une plantation de mangroves dans l'espace que nous sommes là. Côté que le ministère de l'Environnement a fait une intervention, et nous-mêmes, nous n'avons pas gagné la possibilité pour nous au même date pour nous être capable d'intervenir. Mais je dis, avec OJH, nous intervenons dans l'espace là pour nous capable faire plantation de mangroves pour renforcer les mangroves qui sont déjà dans l'espace là, qui sont dans la savane. Bon, nous disons que c'est une bonne idée parce que mangrove là, il a une importance capitale parce que c'est un pas vent pour que l'on cyclone pour que l'on pas victime. Et c'est là dans tout le monde qui est capable de jouer un espace pour serrer matériel de pêche en cas de cyclone pour ne pas perdre. Et lui servi une sorte de barrière tout pour construction qui est espace pour ne pas frapper trop fort par cyclone. Non. Et en plus, tout nous connaissons l'espace qui est mangrove là, il est capable de servir un espace côté que poisson, les vins abrités, c'est là qu'il est capable de pondre pour qu'il soit capable de continuer à multiplier. Donc, nous, c'est important pour nous renforcer mangrove ça qui est dans la savane pour que nous-mêmes nous capables de dire que les gens dans la savane sont capables de mettre ensemble avec nous pour faire surveillance pour que nous capables de toujours gagner mangrove ça là qui peut évoluer dans l'espace. Bon, bien content. Pour travailler ça, nous venons mettre dans la zone là, les bons pour l'environnement. Et je suis très content. Normalement, moi c'est Baptiste Herbisson, moi c'est président JDS, qui c'est l'Union des jeunes dévoués pour l'avancement de la savane. C'est avec un grand sentiment comme jeune dans la zone là, pour me collaborer avec l'activité qui a fait au sein de la savane. Ah oui, c'est vraiment important. Comme on connaît, zone dans son zone vulnérable. Et en cas de cyclone, nous avons l'importance de mangrove, qui ça veut dire, c'est toute une importance pour me participer. Et je dis, c'est avec un peu de content que je retrouve dans l'activité. Donc, nous faisons capable de protéger la zone. Et ça, c'est une grande importance. Donc, nous avons capable de dire, nous avons une collaboration par moi, donc pour m'apporter, pour me capable d'aider les gens. Gérer mangrove là. Donc parce que il y a une importance qui est énorme dans la société. Non, pas c'est à la Brechine-Haïtienne, étudiante en troisième année agronomie. Je dis c'est un grand plaisir pour moi pour participer à l'activité ça qu'a fait là. Par rapport avec l'importance que mangrove là gagne dans la société là. Li gen pour gen pile moun ki pa konn vraiment importance mangrove la et même pense jodi a tout a plein gen plus jeune ki participe ensemble avec nous nan activité ça mais c'est bien dommage que yo pa konn importance lan et m ta aimé que yo font l'autre formation pour nous yo font formation côté a parler nous de mangrove la qui importance ki li gen pour la mer qui importance li gen pour nous même qui habiter bon la mer m'a encourager moun nan zone nan yo. Nous-mêmes qui venons jeudi à la qui viennent planter, nous avons protégé les mangroves que nous plantons pour demain, nous avons aidé.